Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer par une petite optimisation et après on va faire du fret. On va commencer par une petite optimisation ici là. Ah, il est où le train de voyageurs? Il est où le petit train de voyageurs? Il est là. Il fait 32 personnes, mais il y a des endroits où il y a 115 personnes. Donc on va le changer. Faire gestion du véhicule. On va le remplacer par une locomotive vapeur. J'ai envie de mettre une 030, hein, clairement. J'ai clairement envie de mettre une 030. Donc on va essayer de mettre une 030 avec des wagons passagers. Ça prend 10. Hop. On va mettre 70 de capacité. Ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est parti. Ah, c'est beau. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on va pouvoir charger à fond. Parce que, ouais, il y a un endroit, il y a 115 personnes en attente. Voilà, la gare justement d'Orléans, il y a 115 personnes en attente. Donc, c'est pas idéal. Ensuite, du coup, nous aujourd'hui, on va faire des outils. On a besoin d'outils. On a quelques villes qui ont besoin d'outils. Notamment Tours et notamment Angers. Donc, pour fabriquer des outils, on a besoin de planches, comme vous avez pu le voir ici. Donc, des planches qu'on va pouvoir fabriquer avec du bois. Du bois qui va venir d'ici. Bois qui va venir d'ici, qui va partir en train ici. Qui va prendre la partie là. Qui va rentrer ici. Qui va rentrer ici. Et qui va venir être fabriqué ici. Si on a besoin de plus de bois, on pourra faire venir du bois d'ici aussi. Mais voilà un peu l'idée. On va commencer tout de suite, du coup. On va faire le premier train. Alors, bâtiment. Hop. Et on va mettre un bâtiment. Ouais, c'est ici qu'on est. C'est celui-là qu'on a dit. Ouais, c'est bon. Donc, on va se mettre là. En vrai, je pense que je vais le mettre comme ça, le bâtiment. Je vais mettre un bâtiment comme ça et ici. Merde, j'aurais dû pas du tout en autant. Hop, et là, on va jouer avec le shift. Voilà. Parfait. Et donc, rail à 60 km/h. Pour l'instant, je reste à 60. Après, comme je dis, j'augmenterai les vitesses plus tard. Même si là, vraiment, l'argent coule à flot. Hein, clairement, l'argent coule à flot actuellement. Donc, bon. Pas trop de soucis à se faire. On a plus de 107 millions de dollars. Donc, franchement, ça va, mais. Je continue de me méfier quand même. Je continue de me méfier. Hop, et on arrive là. Là, le seul problème que je vais avoir. En vrai. Ça vaut pas le coup que je fasse comme ça. Je suis mieux de faire directement un passage à deux voies. Alors, faut supprimer le signal qui est là. Et on continue du coup avec la deux voies. Merde. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Toujours comme ça. C'est quand tu commences un enregistrement que ça vient. C'est super chiant. Ah merde, ça va pas aller avec le l'aiguille qui est là. Pause. On va faire sauter le. Ah non, ça va faire sauter une maison. Bah, je suis désolé. Hop. C'est vrai que j'aime pas faire sauter les maisons, mais là, j'avais pas le choix parce que sinon, je peux pas faire mon aiguille. Sinon, je ne peux pas faire mon aiguille. Hop, voilà. Et du coup, on peut placer la deuxième voie. Bon, ça passe de justesse, hein. Vraiment, ça passe de justesse, hein.
Faut pas plus loin. Hop là. Ok. Et donc la route. La route, bâtiment. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. La route. On va prendre une rue. Bon, on va traverser là. Hein. Ah oui, non, attends, j'ai pas fait ça. Hop. On retraverse là. On vient sur ce passage à niveau là. Du coup, il faudra peut-être bouger le signal. On va sûrement bouger le signal. Hop. Et voilà. Et le signal qui est là, du coup, on va le bouger. On va le mettre juste avant le passage à niveau. Ça va éviter que les trains s'arrêtent sur le PN, quoi. Voilà, parfait. Nickel. Et donc, du coup, la ville va peut-être se développer encore par là, on verra. On verra ce qu'elle va faire, la ville. Par contre, ça me plaît pas trop. On va essayer de faire un truc quand même plutôt joli. Voilà, parfait. Là, ça me plaît. Ok. Il faut faire les raccordements en rail ici. Donc il faut que toi tu viennes ici. Et que toi tu fasses ça. Ok. Et donc signalisation. Clac. Ah, il faut aussi traverser là, du coup. Rail. Hop, voilà. Signalisation. Clac. Clac. Et clac. Parfait. Ah bah, j'en avais déjà un là. Mais c'est pas grave, je préfère celui-là. Hop là. Du coup, si on regarde... Ouais, les lignes ont... Ah non, ça c'est pas réparti. Celle-là, c'est pas réparti. Du coup, on va mettre ça en sens unique. Voilà. Et la ligne est cassée. Pourquoi ? Pourquoi elle est cassée ? Ligne visible. Alors, du coup, non. Ah, elle est cassée. Bah oui, mais je suis con, oui. Faut que je mette une TJD là. Oui. Donc là, normalement, voilà, parfait. Il y en a quelqu'un qui en profite. Non, c'est bon. Donc, c'est good. Voilà. Là, c'est bon. C'est parfait. Du coup, donc là on a le bois qui arrive, qui part de là. Ah, on a mis longtemps à faire juste du bois. Du coup, ici, ici il faut qu'on double aussi. On va pas mettre le jeu en marche du coup. Ici il faut qu'on double aussi parce qu'on va en avoir besoin. Rail. Comment je double ça? Bah ben non, on va remettre en pause. Hop. Donc toi, tu vas traverser et tu vas aller t'embrancher là. Et toi, tu passes là, tu pars de là. Merde. Hop. Et tu continues. Et du coup, pour que le train en repartant de là puisse y aller,
on remet une petite aiguille comme ça. Voilà. Et ensuite, on remet des signaux. Hop. Et là, on a déjà un. Parfait. Rail. Hop, on pose la deuxième voie. Parce qu'en vrai, pareil, je pense que des trains de bois, il n'y en aura pas qu'un seul. Donc, mettre deux voies, je pense que c'est pas inintéressant. Il y a quand même un peu de distance à faire. Donc, c'est pas mal. Là, on a une femme qui pourra servir aussi, un de ces quatre. Si besoin. Hop. Et là, on va arriver à la voie de Chartres. La voie qui arrive de Chartres. Le Paris-Rennes, quoi. Alors, du coup. Ça, on casse. On casse jusque-là. On vient raccorder ici. Toi. Tu viens te raccorder ici. Toi, tu longes comme ça. Et donc tu traverses aussi là. Hop, pour les trains qui sont à gauche, puis celle à droite pour les passagers. Ensuite, on continue. On continue la voie. Hop, donc les trains qui partent d'ici peuvent retourner sur leur voie ici. C'est le bazar. Hein. Là, c'est des aiguilles dans tous les sens. Hein. Ce signal-là, il va sauter parce qu'il va me gêner. Et donc, grosso modo. Hop. Voilà. Et une TJD là. Oui. Qui permet d'aller n'importe où. Je mets un signal ici pour protéger. Voilà, c'est le... Oh non! Ah, j'avais pas pensé à ça. Il y a deux trains qui se gênent l'un l'autre. Toi, tu vas dégager. Je vais doubler cette partie-là parce que... Ou alors ils seront arrêtés là pour ce passage-là. Je sais pas. Je vais voir. Bon, en tout cas, du coup, de toute façon, ces signaux-là, ils vont sauter. Plutôt celui-là, du coup. Celui-là aussi. Merde. Mais de toute façon, oui, ça fait bugger, donc hop, ok. Je remets les rails. Clac. Voilà, parfait. Ok. Ensuite, je place ma deuxième voie ici. Save auto, comme d'habitude, toujours au bon moment. Merde. Ah bah c'est petit. Ces petits ça j'aurais voulu le faire exprès. Tu vois que j'aurais même pas réussi. Hop, le signal là il va sauter. Et donc nous on veut aller jusque là. Donc on va continuer encore un peu. Hop. Encore un tout petit peu dans cette direction là. Et ensuite on se débranche. Hop là. Et donc à partir de là,
on fait des croisements. Alors ici, vu qu'il y a des trains au départ et à l'arrivée, on va mettre... on part à voie unique comme ça. Mais par la suite, hop, on repasse à double voie. Parce qu'il va y avoir des trains à l'arrivée, des trains au départ et tout. Donc je préfère rester à double voie. Et donc du coup, signalisation. Un signal ici. Un signal là. Un signal là. Un signal ici. Toi, il faut que tu puisses... Ah bah non, j'ai mis un signal là alors que... J'ai pas encore mis les rails pour traverser. Hop. Alors je peux pas remettre le temps en marche, je sais, ça fige le temps et du coup on avance pas dans le temps. Mais là, si je remets le temps en marche, il y a tout qui bug, donc... Donc du coup pour l'instant je suis obligé de rester comme ça. Donc ça c'est déjà protégé, c'est bon. Ça je remets comme ça. Et donc maintenant on va juste garder des signaux qui protègent là et c'est bon quoi. Enfin je peux pas mettre plus. Je ne peux pas mettre plus pour l'instant. Si je double pas cette partie là, je peux pas mettre plus de signaux. Et c'est peut-être pour ça aussi que je perds de la thune. Hein. Parce qu'il y a des trains qui ne servent à rien pour l'instant. Donc ça c'est bon. On arrive là. Et ensuite, bon, on va mettre le bâtiment. On va mettre un bâtiment de terminus. Hop. Un seul quai, mais vu qu'il y aura des trains au départ et à l'arrivée, du coup c'est pour ça que j'ai mis deux voies. Parce qu'en vrai, il y a un quai de déchargement, et après on recharge, donc on peut mettre un seul quai, mais avec deux voies, merde, j'ai pas bien placé moi. Je l'ai pas très bien placé, il faudrait que je le place un peu en face là. Hop, bâtiment. Je peux pas me connecter comme ça. Bon, on va le tourner un peu et puis on va faire shift. Hop, shift. Non bah du coup on va le mettre comme ça et on va mettre un petit chemin. C'est pas très grave. Hop. Ça va faire un joli petit chemin, tranquillou. Petit chemin non construisible. De 3 mètres. On va mettre un tout petit chemin quoi. C'est juste pour raccorder. Voilà, parfait. Voilà. Et comme ça, c'est raccordé. Et donc du coup, on va pouvoir mettre les rails. Rails. À 60 km/h. Hop. Et ici on met la deuxième voie. C'est pour éviter que vraiment que les trains gênent tout le reste du trafic quoi. Voilà. Signalisation. Un signal là. Et un signal de l'autre côté. C'est vraiment... Ouais bah c'est déjà fait. C'est vraiment pour éviter que ça gêne quoi. Donc ça c'est good. Donc là on peut fabriquer des planches. Ces planches elles repartent d'ici. Elles repartent de là, elles passent ici. Alors ici, il va falloir mettre des signaux parce que j'ai pas encore fait. Je crois que je l'ai pas fait. Alors, signaux. Alors ça, tout ça, c'est protégé. Ça a été fait. Ça, ça traverse. Est-ce que j'ai mis une TJD? Oui. Là, c'est bon, j'ai mis une traversée. Ça, c'est bon. Ça, ça pourra traverser ici, donc c'est bon. Là... On met un signal. Là, je mets un autre signal. Ici, encore un signal. On va en remettre un là, de chaque côté du PN. Hop.
Et ensuite, à l'arrivée en gare, il y a déjà un signal ici. Ça protège, c'est bon. Là, il y en a un qui protège tous, c'est parfait. Là, c'est bon. Et ensuite, on est sur la deux voies qui est déjà faite. Ok. On va par là, on va par là. On rentre sur cette portion-là. Ça, on connaît, on sait que c'est fait. Et donc, l'idée, c'est d'arriver là. Ça va pas être très compliqué à faire. Hein. Ça va pas être très compliqué à faire. Bâtiment. Non, c'est pas là. C'est bâtiment ici. Bâtiment. Hop. Alors, soit je mets un bâtiment comme ça, mais ça va être un peu compliqué. Je vais plutôt mettre un bâtiment devant ici. Alors, faut que je regarde où est-ce qu'on est par rapport à la gare aussi, parce que... Alors là, il y a des chargements et des chargements. On va mettre un ou deux quais. Deux quais. Non, un quai pour l'instant. On verra s'il y a beaucoup de production, on fera un deuxième quai. Shift. Voilà. J'ai décidé d'être sage aujourd'hui. Pas dépenser trop. Rail. On repart. En vrai, je pense qu'on va aller sans bras. On va faire une arrivée sur la gare. On va arriver vers la gare, je pense. Hein. Je pense que plus tard, quand tu auras un quai voyageur, ce sera une autre voie en fait. Quand tu auras le deuxième quai voyageur, ce sera une autre voie qui viendra. Qui passera en fait dans la gare, mais pas. Mais sur un quai quoi. Enfin, ça passera sur un quai. Mais un quai fret, du coup, je pense. Hop, et voilà. Et donc là, on va mettre une signalisation. Voilà, parfait. Et donc là, on peut décharger. On peut décharger de la planche et faire des outils qui partiront du coup. Normalement, on a déjà un quai pour une des villes. Qui partiront du coup pour Tours. Tours qui a déjà un quai, donc ça c'est parfait. On va déjà pouvoir décharger un peu de ce qu'il faut à Tours. Faut que je regarde aussi. Est-ce que ça dessert. Non, ça tu vois, ça va pas desservir là où il faut. Ah, il y a une bonne partie qui est pas desservie. Donc on va mettre un autre quai de marchandises. Pour desservir comment ça s'appelle? En outils. On va garder un seul quai, parce que pas besoin d'en mettre plus, je pense. Nouvelle ligne. Départ d'ici, arrivé ici. Donc ça c'est outil tour. C'est outil tour. Ok. Et maintenant on va faire les nouvelles lignes. On va faire toutes les lignes. Alors, on va commencer par le bois. Départ d'ici. Hop, on part là, on passe là, on passe là, on passe là, on passe là. On vient là, on vient là et on vient là. Donc ça c'est bois Orléans. Orléans. Ok. Nouvelle ligne. D'ici à. Alors est-ce que déjà ça prend bien les deux lignes? Ça prend bien les deux voies, parfait. D'ici à ici. La petite save auto. D'ailleurs, on peut mettre le jeu en marche, hein, puisque on a. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'on est bon niveau. Ouais, on peut mettre le jeu en marche. On peut mettre le temps en marche. Donc. Que je m'y remette. Donc, la ligne d'ici, là, c'est. Planche. On va mettre. Bourges. Non, on va mettre Angers. Ok, planche Angers. Et nouvelle ligne. Départ d'ici.
arriver ici. Et donc on va appeler ça outil tour. Ok. On verra si on fait un seul train pour faire les deux. Peut-être qu'on peut faire un long train et desservir les deux. Mais le problème c'est que généralement la première ville prend tout. Généralement. Donc c'est un peu compliqué de faire un seul train de fret. Pour l'instant on va juste garder ça comme ça. On va lancer du coup la chaîne. On va faire la chaîne de production. On va mettre un dépôt ici. Rail, non, bâtiment. Est-ce que j'ai mis des signaux là? Non, j'ai pas mis de signaux là, je suis con. J'ai pas mis de signaux. Signalisation. Hop, voilà, parfait. Et oui, non, je voulais mettre un bâtiment ici. Un chouchou, bâtiment. Hop. Pas de caténaire. Voilà, parfait. Et plus tard, on aura aussi Auxerre qu'on a besoin d'outils aussi. Et on verra comment on le desservira Auxerre. Nouvelle ligne. Acheter véhicule. Pourquoi je dis nouvelle ligne? Oh là, je suis fatigué moi. Ça va pas là. Pourtant, c'est le premier épisode que je tourne de la journée. Je vous laisse imaginer dans 2-3 épisodes quoi. Acheter véhicule. Hop. Une comme ça. On va mettre marchandises. Ça prend du bois et ça prend des planches, donc c'est parfait. Euh, 80 de capacité. Euh, 100 de capacité, mais on va pas mettre une 0,30. Locomotive vapeur. Ah, même avec une MIDI 2021, ça fait médiocre. Plat, 60 km/h. Élevé, 30... Oula, ouais. Mais du coup, attends, 470. Et ma petite 0,30, là, elle fait quoi, elle? 338. Ouais, bon, on va mettre une 0,30 quand même. Allez. Acheter. Du coup, la ligne de bois... Tu vas aller sur la ligne de... Non, pas outil de tour. Bah non, mais bois, ça sera là-bas. Je vais t'y emmener comme ça. Hop. Tu vas sur Bois Orléans. Parfait. Comme ça, elle va déjà commencer à produire. Hop. Acheter véhicule. Une 0,30 avec des wagons de marchandises. Comme ça, pour les planches. On va mettre 70 de capacité. Acheter. Et donc là, c'est planche en G. Parfait, c'est parti. Ensuite, acheter véhicule. Une nouvelle 0,30. Acheter véhicule. Et là, du coup, faut prendre des wagons comme ceci. Qui vont prendre, du coup, eux, les outils. 48 de capacité, ça devrait aller. Acheter véhicule. Et donc, aller sur la ligne de outils tour. Ok, outil tour, c'est parti. Et donc du coup, au final, on va mettre les petits camions à tour. Il faut que j'aille à Orléans acheter ici. Acheter véhicule. On va acheter ceux-là. On va en prendre 3. Et on va les mettre sur la ligne de outil tour. Voilà. Regardez si ça commence à produire, là, le bois, par exemple. Le bois qui se trouve par là. Ça produit. C'est déjà quasiment plein. Ah, planche. Non, mais me dis pas que l'outil est parti dans ce sens-là. Me dis pas. Non, mais il est con, quoi, lui.
C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Ce jeu, il est... Voilà. Je peux en dire plus. Non, mais franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant parce que... Bah, après, on peut mettre un deuxième train. Je suis sûr et certain qu'on peut mettre un deuxième train, donc on va le faire. Mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Vapeur. Une 0,30. Marchandise. Et donc, aller sur la ligne de bois. Mais là, je vais surveiller qu'elle aille bien sur la ligne de bois, quoi. Qu'elle aille pas... qu'elle aille pas se balader. Enfin, c'est pas qu'elle aille se balader, mais c'est qu'elle aille d'abord aux planches, alors qu'en fait, il y a déjà plein de bois en attente, quoi. Il y a le train de voyageur qui avait son arrêt à faire, donc c'était pas gênant que je passe devant, quoi. Enfin, j'espère qu'il va pas me faire passer sur la ligne de... Allez, directement vers le bois, hein. Tu vas vers le bois, s'il te plaît. Non. Non, il veut pas. Il veut pas prendre l'aiguille là et aller vers le bois. Ouah, qu'est-ce qu'il m'a fait là encore? Hop, et ensuite on va lui faire faire demi-tour. Hop, voilà, fait demi-tour. Allez, ça prend l'aiguille et c'est parti. Ah mais c'est bon, il y a plein de bois, le truc il s'en va vers... au moins ils seront répartis. C'est déjà ça. Non parce que là il y a déjà plein de bois en attente. Il y a déjà 353 bois en attente, hein. Donc là il va en prendre 90. Voilà, il est chargé. Avant de se quitter, on a 33 minutes déjà. On va faire un petit cabrite et puis on va regarder ce qu'il rapporte à la fin. Hop, on va regarder ce qu'il rapporte à la fin, puis après on se quittera. Ça fera un grand épisode, je serai content. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les grands épisodes, bah là c'est un grand épisode. Allez, Bois-Orléans. C'est parti. Le train de... Pourquoi on est bloqué? Putain, on a été bloqué longtemps, dis donc. À mon avis, il y avait un autre train qui est passé devant, je pense. Ah non, c'est juste que là, il n'y a pas de... Ah, attends. Là, il n'y a plus de signaux. Ah, d'accord, ok. C'est une erreur de ma part, du coup. Signalisation. Voilà. Oh, on débloque des nouvelles locks, ok. Midi, oh, des nouvelles locks midi encore. Hop là. Voilà, 60 km/h, c'est bien. On va croiser une autre lock qui a une belle fenêtre blanche là. Je sais pas ce que c'est comme là. Ah bah c'est l'autre. Qui a déjà été arrangé du coup. Enfin qui a déjà été à l'usine de planches. On vient de croiser la mine d'or là. les wagons citernes. Hop. Le passage en gare de Angers. Où il y a du carbu. Non, c'est pas Angers, ça, c'est... c'est Tours. C'est Tours. Mais où il y a du carbu à Tours, hein. Il y a vraiment pas mal de carbu.
Hop. Là, 60 km/h, 59, 60 km/h, c'est bien. En vrai, c'est pas mal. C'est la limite de vitesse du train, donc en vrai, c'est cool. Hop, le signal, il s'ouvre, parfait. Est-ce qu'il est ouvert ? Oui, c'est bon. Hop, on arrive à la gare du Mans. Qui par contre, elle est fermée. Hop. Ça n'a pas été fermé très longtemps, mais voilà. On a été obligé de s'arrêter un petit peu. Hop, la gare du Mans qui est remplie. Alors là, c'est le train Ange de Angers. Qui va devoir attendre un petit peu avant de repartir. Et nous, il va falloir qu'on attende un petit peu aussi. Hop, et voilà. C'est parti. On va arriver du coup à la gare Terminus. Ouah, fume blanc-noir, quoi, quand même. Hein. Quand même un peu noir, la fumée. Hein. Hop. Ah ouais, non, x1, ça met quand même un peu de temps. Hop. C'est juste pour voir combien ça va nous rapporter. Avoir le temps de voir ce que ça va nous rapporter. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup. Ça va nous rapporter beaucoup, je pense. $2 millions. Bah oui. Mais oui. 2 105 000. Parfait, ça. Et donc ça commence déjà à produire de la planche. 4 planches pour l'instant. Ça commence, ben ouais, à coût de 80, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite la production. Là, on a un train complet, quasiment complet de briques. C'est parfait. Ouais, notre production de briques fonctionne bien aussi. Hein. La production de briques. C'est où c'est? Là-haut. Ouais, ça tourne, ça tourne. L'usine est niveau 3, ouais, c'est bien. Et la production du coup de... Ouais, là pareil, on a de la nourriture, du... Enfin on a tout quoi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, ce qui m'embête c'est... Ah non, ça y est, elle est... Non, t'as fait du niveau 2, niveau 1, c'est un peu compliqué. En vrai, il lui manque encore de l'avitaillement quoi. Parce que là, elle est à 0 en fait en stock. Il lui manque. Il faudrait qu'elle aille un peu plus de carburant. Parce que là, en fait, elle va redescendre au niveau 1. Donc, elle va moins consommer et tout. Enfin, c'est compliqué. En vrai, est-ce qu'il y a moyen de mettre un train de carburant en plus? Et surtout, est-ce que l'usine là est capable d'accueillir un peu plus de. Elle est largement capable d'accueillir plus de pétrole. Hein. Alors là, on a un train de pétrole qui arrive. Ouais. Ah non, c'est... Pétrole raffiné. Oh merde. Ils sont où mes trains de pétrole brut, là? Ah bah, il y en a un, là. Je suis en foin, c'est pour ça qu'ils avancent pas, là. Pétrole brut Paris. Merde. Et du coup, ouais, lui, il va pas être très rempli, quoi. 78 sur 110. Alors que là on a le train qui arrive, il va rien avoir pour l'instant, mais bon. Ça va se mettre en place. En pétrole, on a quoi là? On exporte combien de... 7% seulement? Donc en vrai, techniquement, on peut encore mettre un train quoi. Enfin, d'après les chiffres et tout, on peut encore mettre un train de pétrole, quoi. On va tenter le coup. Hein. Alors, je vois que ça redescend à la 92. Ça me fait un peu chier, mais bon. Mais voilà, il faut remettre un train. Je sais pas d'où il va sortir. Ouais, il est sorti de là. Ok, parfait. En plus, il a pas trop de chemin à faire.
Alors, on est remonté à 93 millions, ça veut dire que c'est à la limite, quoi. Là, c'est on perd un peu d'argent, mais parce qu'on a investi aussi. Ça va remonter, là. Je suis convaincu que ça va remonter. Oh, ce croisement parfait, quoi. Alors, on a du pétrole brut qui arrive, là. Mais limite, il faut lui amener du pétrole brut en continu. Faut regarder si on n'a pas un autre puits de pétrole qui pourrait être intéressant. Si à un moment, on voit qu'on atteint la limite de celui-là, faut regarder un autre puits de pétrole. Autre puits de pétrole. Il y a Laval. Il y a Laval qui peut être intéressant. C'est pas trop loin en embranchement. Laval, on peut faire ça et repartir. Ouais. Laval, ça peut être intéressant en vrai. Par contre, il y a du monde à Laval, donc. 138 personnes pour Le Mans. Ah oui. Ouais, non, mais il y a du monde, donc. Il y a que 12 personnes pour Rennes. Ah, oh, puis là, oui, non, mais Le Mans, c'est 122 pour Cantour, d'accord. En direction d'Alençon. Oui, non, mais ça fonctionne parfaitement, en fait. Ça fonctionne vraiment nickel. Qu'est-ce que débloque? C'est quoi ça? Landoer. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un bus, je pense. Enfin, un transport en commun. Bon, on a 41 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à venir sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien et moi, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.